Et bien sûr mes petits choux, c'est encore XBSK et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Black Ops 2. Je sais pas ce que j'ai une motivation sans faille aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'y jouer. Et donc ici on va se retrouver dans une maison, dans une mission très désertique, vous allez vite le voir. Alors je sais pas si je prends la K ou si je prends la Galil, je vais vous montrer la Galil. Hein. Apparemment j'ai droit à un petit camouflage du désert comme vous avez pu le constater. On va prendre un chargeur à grande capacité, c'est pas mal ça, une cadence de tir, même si ça sert pas à grand chose. Et on va prendre... je vais prendre le M, j'aime bien le M. Avec un chargeur à grande capacité, ça me paraît bien ça. Oh, ça pourrait être sympa de prendre du C4 à la place des grenades, hop. Et kit d'accès, crosse réglable. Des zones de cartes inaccessibles autrement, d'accord. Ok. Ça sert à rien en gros. Bon allez, on se lance, on est chaud patate. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfoiré de Menendez. Salazar, t'étais au Nicaragua pendant son ascension. Tu connais son histoire mieux que personne, toi. Alors pourquoi il nous déteste autant? Remercie la première guerre froide. Quand il était petit, il a vu les Contras violer et massacrer son peuple. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre de 1972. Sa famille a tout perdu. Un an plus tard, sa sœur Josefina, qui l'aimait plus que tout, a été blessée dans un incendie. Raoul et son père sont repartis de zéro, en vendant de la drogue. Ils sont devenus riches, puissants, des légendes de Managua. Le cartel de Menendez était quasiment intouchable. Alors la CIA a assassiné le père de Raoul sur ordre du gouvernement. Donc Menendez prend l'Amérique en grippe et se met à trafiquer des armes en Afghanistan pour sa propre armée privée. La CIA la prend et se lance à sa poursuite à Kaboul. C'est la photo que Woods nous a montrée à la voûte. Vous voyez ce beau gosse là? C'est moi. Et le moche, c'est ton père. Après le Vietnam, les nombres et tout le reste, il était devenu sacrément dangereux. Tu vois quelque chose? Du sable! Du sable, encore du sable! Le contact d'Hudson va arriver. Tu crois qu'on peut faire confiance aux Chinois? Ici, oui. Ils soutiennent les Mujahideen tout autant que nous. Ils savent que si les Russes gagnent en Afghanistan, leur prochaine cible sera la Chine. Personne n'aime les Russes, hein? Tu me connais. Moi, j'aime personne. Tu ferais bien de te planquer un peu. Et calme-toi, Tao! On a livré les armes! Et pour ta part du contrat? Je vais vous conduire jusqu'au chef des Mujahideen. Il vous aidera à trouver Raoul Menendez. J'ai des chevaux pour vous. Suivez-nous. Bon bah, c'est parti. On va faire une balade à cheval. Vous avez pu retrouver Zao? On est en route pour le camp des Mujahideen. Ouais. Je sais que je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre intervention doit rester absolument secrète. Allez, vas-y ma poule. Là c'est du cheval. Tu vois, on dirait une Thompson dans le skin, je sais pas pourquoi. Oh là là, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Non, je troll pas, hein. Je trouve vraiment ça que c'est joli, hein. Quand je vous disais que Black Ops 2 arrive encore à impressionner, bon, peut-être sur PC, peut-être pas sur console, hein, mais bon. Moi je sais pas, je trouve ça encore ça très joli. Il y a une bonne patte artistique derrière, je trouve. Vas-y mon cheval! C'est pas du niveau d'Uncharted, mais vas-y mon cheval! Voilà, qu'est-ce qu'il me fait le cheval là? Oh, tu te calmes? Regardez, on est chez les Chinois. Chinois! Allez, Zao! Sheng Shao! Je sais même pas comment on prononce ça. Shao ou un truc dans le genre. Avec ma Galil, je vais tout défoncer. Ah, c'est chiant, je peux pas vous foutre les sous-titres, hein.
là là, parce que par moment on n'entend rien du tout, c'est horrible. Si les Russes s'apprêtent vraiment à attaquer, vous allez avoir besoin de toute l'aide possible. J'ai fait venir deux experts pour fournir des conseils stratégiques à vos hommes. Justement, les voilà. Rahman, voici Woods et Mason, mes meilleurs hommes. On veut des armes, pas des soldats. Ça devrait le faire. Que ce soit bien clair. On repousse l'attaque des Russes, vous nous dites ce que vous avez sur Menendez. Voilà notre base. Les forces russes viendront d'un des passages étroits qui débouchent sur la vallée. Je le sais. Nos hommes défendent ces montagnes. Nos armes leur donneront l'avantage. Tu parles d'un plan foireux. C'est de l'armée russe qu'on parle, je vous rappelle. Leur tactique, c'est la force brute. Ils misent tout sur leur nombre et leur blindé. Vos hommes sont préparés pour ça? Ils sont pas habitués aux armes qu'on a apportées. Mais nous, si. Nous, on doit être sur le front. Les Russes ont lancé leur assaut. Yalla! Yalla, Borobino! T'as confiance en ton plan, américain? Plus que confiance. C'est parti! Moi, je te fais pas confiance, Charo. Charo, voilà. D'abord, on va aller là, on va ouvrir la serrure. Ta gueule, Wood. Je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Ah, des mortiers, cool! Allez hop! On va à cheval. Cheval, avance! Et plus vite! Voilà, comme ça. Vitesse ultra maximum. Oula! Je crois qu'on les a sous-estimés. Les hélicos lâchent des unités directement devant le camp. Ouais, j'avoue. Oh, mais... Nous, on va aller repousser leurs blindés. Ok, mec, on va aller repousser leurs blindés. Je sais pas comment, mais. On va les repousser. Pum 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 pum. Et hop, accélère un peu. Hop. Ah là 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 là. Il est où Woods? Elle est là. Non non, c'est Charo, Charo. C'est Charo. C'est fort en chocolat. Ah bah oui hein. Quoi, c'est un ennemi ça? Ah ouais, c'était un ennemi en effet. Ah, sort de la baston. Bon. Ah, fait chier, j'ai pas mes atouts cheatés avec voilà, et tout ce qui va avec. Les ennemis là-bas, je sais pas, je vois pas. Eh ouais, va me falloir du lance-roquette là. Il est où? Il se plante coup ce connard. Ah, t'es là. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ici? Oh, mais je prends des balles. Je prends des balles, dis donc. J'espère qu'il y a un connard qui va pas arriver dans mon dos pour me faire tâter de la fermeté de sa crosse. Bon, c'est bien, on a atteint le point de... Bon, tant pis, allez, fonce, Forest, cours. Voilà, c'est bon, nickel. Salut les mecs. Je viens dire bonjour. Voilà. Avec ça, je vais leur faire tâter de ma fermeté. Et un de moins. Et deux de moins. Bien joué, Mason. Les Mujahideen s'occuperont de l'infanterie. Ah, c'était quoi ce bug? C'était quoi ça? La première fois que je l'ai fait, en fait, il y avait un tank en dessous de moi, bizarrement. Et là, il s'est barré. Oh, une clé mort. Une bêtise, je sais pas. Et se déposer là où ils vont passer. Attendez. Bon, vous savez quoi? On va quand même garder le lance-roquette, hein. Toujours une valeur sûre dans les jeux vidéo de lance-roquettes. Alors. Ah non, ça va, y'a plus personne. On peut y aller. Oh, c'est qui m'a tiré dessus là? Allez, démolition charge. 40 kilos d'amour, baby. C'est bon? Vous vous dépêchez là? Allez hop. Hudson, voilà. Passage ouest est sécurisé. Allez, à cheval. Merci mon cheval. Petit poney. Petit poney.
avec leur force brute et leur nous. Qu'est-ce que je dois détruire là-bas? C'était pas ce que je voulais. Et bim! Un de moins. Et bim! Deux de moins. Hein? Quoi? Non, je cautionne pas ça. Et merde. Reviens-y, connard! Aïe aïe aïe. Attends, il faut que je passe en mode 5. Ah putain, cheval! Qu'est-ce que tu fais, cheval? Mais. Ah! D'accord. Voilà. Hélicoptère neutralisé. Ça c'est beau. Nord de la vallée. Allez, on va au nord de la vallée alors. C'est quoi au nord de la vallée? Qu'est-ce qu'il y a au nord de la vallée? Est-ce que c'est un tank? Ça va être un tank. Alors on va passer en mode... genre du poney. Ah, un cheval qui court tout seul. Ah, bonjour. Merde, cheval! Je te déteste! Oh putain, on m'a écrasé. Je me suis fait écraser. Bon. Bon, char russe. Ok. Bon, on va se foutre en hauteur un peu. Bonjour. 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 Alors, on va aller se foutre là-bas. Ça me paraît pas mal. En fait, c'est tellement le bordel que les Russes, ils arrivent même pas à me niquer, quoi. D'accord, complètement loupé. On dira rien. Ouais, je l'ai eu. Je suis trop fort, t'as vu? Regarde. Il se chevauche maintenant. D'accord, toi t'as pas pété. C'est quoi cette embrouille? Voilà, c'est mieux. Bonjour monsieur. Oh là là! Reprenez la cache d'armes. Elle est où la cache d'armes? Par là. Allez hop. La 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 la. Bonjour monsieur. Eh, on va courir. Je vais courir, je vais faire ça. Ah, mais... T'as tes échelles. Allez, de se dépêcher. Oh. Hudson, on a pris la cache d'armes. Hein? Des unités d'infanterie. Hudson, rentrez à la base, on a un problème. Comment ça? C'est quoi cette embrouille? Y'a pas d'ennemis, y'a rien, y'a que dalle. Ah, si, y'a des ennemis. Pardon, j'ai rien dit. Ils tombent devant moi comme des mouches. Donc on va vite aller récupérer cheval. Aïe, bobo. Allez, cours, cours, gros. Ah, putain. Ah, allez, dépêche, cours, cours. Allez, plus vite. Ah, voilà cheval. Allez, viens. Mais tu fais quoi, cheval? Oh, tu bouges. Allez, on est chaud, là. 100 mètres. Ça y est, on y est. À nous la liberté! Ton père, c'était un putain de dur à cuire. Ça, je te le fais pas dire. Krashenko, lui a fait un lavage de cerveau, il lui a collé ses nombres à la con dans le crâne et il a survécu. Mason disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Merde! Mason! Tu devrais venir voir ça. C'est pas encore fini. Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors on leur fait une démo de courage. T'es avec moi? Ouais! Allons-y! Pour l'Amérique! Wouhou! Ça, c'est le courage, les mecs! Rusher face à un tank ultra blindé! Oh merde! Oh merde! Ah! Oh, bobo! Allez! Maintenez! Ah!
C'est une blague, ce fils de pute de Kravchenko. Foiré. C'est sûr qu'il est derrière tout ça. Kravchenko doit mourir. Il y a des fois, l'espace d'un instant, il avait ce regard bizarre, ses yeux inspectaient la pièce. Et après ça, il se mettait à parler aux Russes. Enfoiré de Reznov. Toujours aussi fourbe. Woods, je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Ah, on m'avait pas dit. Mon pote Raman m'a dit que tu faisais affaire avec un Nicaraguayen du nom de Raoul Menendez. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Va te faire un... Tu connais le proverbe œil pour œil? Hein? T'es chez les Mujahideen, mon pote. Ils vont t'enterrer jusqu'au cou, t'arracher les paupières et te laisser rôtir dans le désert. Moi, je serai plus clément. Parle-moi un peu de Menendez. Il m'achète des armes. Doisons pas une soviétique de ta part, camarade. L'Union soviétique est mourante. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Et elles vont où, ces armes? Cuba. Angola. Le tiers-monde. Pourquoi? Menendez veut voir votre monde ravagé. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Oh. Il est bien plus puissant, vous croyez? Il a même des contacts à la CIA. Connerie! Ce type se fout de notre gueule! Je suis de mon encore! Chorlejo! Bordel, qu'est-ce que vous foutez? Menendez m'a dit de vous faire souffrir. Putain d'enfoiré de traître! On vous a aidé contre les Russes, on est dans votre camp! Non. Non, vous êtes le véritable ennemi. Et vous le serez toujours. Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance! On est là, dans le désert, enterré jusque-là. Et qui ton père croit voir débarquer à cheval pour nous sauver? Cet enfoiré. Ah, tu vois, t'es pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. Reznov. Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça, hein? Qu'il se serait expliqué? Eh ben... Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, c'est du truc que je voulais vraiment pas voir. Voilà l'émission Strike Force. Donc on va la faire. Et je vais le faire comme j'avais fait la dernière fois. Enfin, on va voir sur PC, c'est plus maniable que sur console. J'espère, en tout cas. Garde à vous! Merci, commandant Mason. Regardez-moi ça. Le président Qian Cao, dirigeant de l'armée chinoise
et chef des forces armées de la SDC. Cet enfoiré laisse rien passer, même avec son propre gouvernement. La Chine n'a aucune autorité sur lui. Il joue selon ses propres règles. Zhao tient la Russie par les couilles, commandant. Et il lâchera pas. Si la Russie cède et rejoint la SDC, ils formeront la plus grande force militaire de la planète. C'est exactement ce que veut Menendez, que les superpuissances finissent par s'entre-détruire. Actuellement, l'Inde et l'Iran sont les cibles principales. La SDC va mettre son plan en action. C'est à nous de jouer. Leur première attaque nous a pris par surprise. Nos défenses principales sont HS. On a tenu, mais notre régiment a été décimé. On ne survivra pas à un autre assaut. C'était la SDC, commandant. Ils ont envoyé des drones aériens et terrestres. La base Spectre est essentielle pour sécuriser la frontière nord de l'Inde. Comme le temps presse, on va vous parachuter directement là-bas. L'ennemi va essayer de neutraliser le réseau de défense en détruisant les générateurs et les terminaux de liaison satellite. Sans ces défenses, rien ne les empêchera d'atteindre la salle de commande principale. S'ils réussissent, on perdra Spectre et ils pourront marcher tranquillement sur l'Inde. Ok. Unité en attente. Ok, on va faire quelques tests système et des manœuvres d'entraînement. On va s'assurer que ça marche avant de le faire pour de vrai. Il me faut un test de contrôle des clos. Standby. Caméra des clos activée. Donc voilà. C'est le petit tutoriel là. Appuie sur G. Système d'armes prêt. On teste la liaison caméra de l'infanterie. Alors, 5 ou 3. Relais de l'ATH d'infanterie en place. Il faut vérifier le retour caméra des tourelles. Prise de contrôle de la tourelle. Voilà. Contrôle tourelle confirmé. J'ai une liaison satellite. On passe en carte tactique. Oh non. On va faire un essai de déplacement. Unité Clo en route vers la position. Allez, Clo. Je veux qu'on fasse quelques manœuvres d'infanterie de base. Ouais. On se dirige vers le point de repère. Allez, les mecs. Dirigez-vous. Les unités, fouillez la zone. Maintenez 4 pour déplacer toutes les unités. Bien joué. Voilà. Pourquoi il est déjà quasi mort, le gars? Un autre test caméra pour l'infanterie. Ah ouais, je dois choisir un garde et je dois faire tab. Ok, on a une image. Très bien, on va larguer un drone factice dans la zone. Ouais, le temps qu'il lui faut pour arriver à lui. Il est où le drone factice? Drone. Bonjour. Voilà. On engage les AST ennemis. Exercice de ciblage imminent. Je vais vérifier l'image de la vue tactique. Unité sélectionnée, attendez l'attribution. Passez. Appuyez à l'attaque. Sur 4. Détruisez les ASD de l'ennemi. On engage les ASD ennemis. À toutes les unités, en avant. ASD ennemi HS. Un dernier essai pour l'infanterie, histoire d'être sûr. Attendez, appuyez, maintenez 5 ou 3 pour prendre le contrôle d'un soldat. Ouais, et après je fais quoi? Rejoignez le repère. Il est où le repère? Appuyez sur 4 pour envoyer toutes les unités actives. Le repère est marqué, on y va! Ça me paraît bien. Une dernière fois, ensemble. Alliés en route vers la position. Terminator. À toutes les unités, ralliez la position. Ok, je crois qu'on est barré. On va commencer la mission, hein. Et on va prier qu'on ne galère pas trop. L'avantage, c'est qu'on a juste besoin d'en faire une, et techniquement, c'est bon. Défendez l'usine en protégeant les éléments clés situés.
Allez hop. Ah, ça va être chaud, hein. Moi je vous le dis, ça va être très très chaud. Toutes les unités au sol, formez un périmètre défensif. Bah, Spectre, man. Oula. I'm flying. Les transports ennemis seront là dans une minute. À toutes les unités, établissez un périmètre. Attention, protégez les relais pour garantir alors, le déploiement des renforts. Si on perd 5, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de le faire sans devoir se faire chier avec les... Voilà, toi t'es déjà bien mis, c'est déjà pas mal. Le repère est marqué, on y va. Ah merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Attendez! Non! Numéro 3! Allez ici! On se dirige vers le point de repère. Un contrôle direct de l'infanterie. Voilà. C'était. Ah! C'était le 5 que je voulais. J'ai déjà plus ce qu'elle touche. Le repère est marqué, on y va! Me dis pas qu'ils reviennent, hein! Non, ça va. Bon, on va voir comment ça bouge. Radio en route vers la position. On engage l'infanterie ennemie. Soldats ennemis, abattez-les. Alors, techniquement, je peux prendre le clos et lui dire. Cible touchée. Infanterie ennemie en approche. Autorisation d'engager. Ils font quoi là? Ils ont fait quoi? C'est quoi ces bouseux? L'antenne satellite est prise pour cible. Les renforts sont là. Ils viennent vous soutenir. Parce que là, va y avoir besoin de renfort, hein, putain, s'il y a toujours aussi con. On s'apprête à engager les corps ennemis. Oh putain, sérieux. Comment ça là? Oh. Oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est même pour les ennemis, voilà. Alors on va prendre ça, comme ça elle aura plein de mun. Par contre ça va falloir le péter en bas. Ah oh, merde, y'a trop d'ennemis qui arrivent là. Le transformateur est menacé. Je l'ai eu. Le transformateur est menacé. Alors ce que je fais c'est que je vais le maintenir 3. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, je prends contrôle de chaque unité. N'engage l'infanterie ennemie. On a un homme à terre. Il est blessé. Ouh, sa mère. Élimination confirmée. Pas grave, moi je fais un strike. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut jouer. Bon, on va retourner sur le 5. Anne-moi. Prends le contrôle de l'infanterie. L'ennemi cible le transformateur électrique. L'antenne satellite est prise pour cible. Ah putain. Tour de refroidissement en danger. On passe en défense. On attaque les points de retard ennemis. Ah merde de drone de putain de mes couilles. L'ennemi attaque l'antenne satellite. Point de retard ennemi est détruit. Putain, sur où? Et t'en tournes sur le 3. Liaison avec la caméra frontale. L'antenne satellite est prise pour cible. ASD ennemi abattu. Cadeau. Tu vas faire quoi sans tes pieds? Hein? Tu vas faire quoi sans tes pieds? Oh bah merde, il va venir. Ah là là. On a un homme à terre. Je m'en fous, j'en amènerai 3 dans la tombe avec moi. Tiens, gerbe. L'ennemi cible le transformateur électrique. L'ennemi attaque l'antenne satellite. Tour de refroidissement en danger. On passe en défense. Donne-moi. Les renforts sont là. Tiens, gerbe, connard. Le transformateur est menacé. On a un homme à terre. Il est blessé. Tour de refroidissement menacé. Position défensive. Non mais les mecs, il y a un ennemi là. Vous avez pas envie de le péter un peu? Cible touchée. On attaque l'infanterie ennemie. Tour de refroidissement. Mais il faut quoi là, les mecs? Le quadrateur ennemi est détruit. Élimination confirmée. Hey mec, t'as pas envie de l'attaquer un peu? Bon, t'as pas envie, d'accord. Ah, j'ai vu un swaou.
J'ai vu un soi quelque part. Voilà. Bah, il pète pas, hein. Il veut pas péter. Bah voilà, bah lui il est mort. C'est fait. Les renforts sont déployés. Eagle au sol. Eagle à terre. Ah oui, ça va, j'ai compris que la tête à tête était prise pour cible. Je prends le contrôle de la tourelle. On a un homme à terre, il est blessé. Tour de refroidissement en danger, on passe en défense. Oh, putain, c'est trop le bordel. Y'a plus... Ah. Bon, allez, on va sur le 5. Hop. Oh là là, c'est trop la galère, sérieux. Il faut tenir 5 minutes comme ça, quoi. L'ennemi attaque l'antenne satellite. Avec un gameplay qui est vraiment pas adapté. Non, grenade. Aïe. Bobo. Bon, tant pis, on va perdre un point, mais on va perdre C, mais c'est pas grave. De toute façon, on a perdu A, je parie en plus. Ouais, on a perdu A. Ah, putain. On engage le quadrotor ennemi. Tour de refroidissement en danger. On passe en défense. On a un homme à tête. L'ennemi attaque l'antenne satellite. J'aurais peut-être dû passer en mode facile pour cette mission, je crois. C'est bon. Regardez, ils viennent tous à la queue leu là. Hop là. Tant pis, moi je préfère défendre un point qui est déjà pas trop niqué. Voilà. Vous voyez, je suis tout seul. Là, je demande à tous mes potos de venir, comme ça, moi, on est sûr que ça va passer. Et bim. Ah bon, non, ça va. Enfin, je suis même pas sûr que ça va passer, vous voyez. Refroidissement menacé, position défensive. S'ils détruisent le transformateur, la porte se désactivera. Pas grave, on tiendra le coup, les mecs. Les ennemis se sont infiltrés. L'ennemi a désormais accès à l'ordinateur central. Ah merde! Il est où cet ordinateur central? Chier! C'est la première fois que je galère autant pour une mission de merde! Voilà. Bon. Tiens! C'est ça que je veux là. Bon allez, on va se foutre en maximum défense. Hein. On a pas trop le choix façon, vu le lien en carton qu'on a ici. Voilà. Ça va, on va survivre, on va survivre. On engage les ASD ennemis. C'est bon, l'ASD ennemi est détruit. Voilà. On attaque la sont des gardes, c'est pas ça qui manque ici. Voilà, petit massacre à l'ancienne, si si. Bon, si on peut tenir 2 minutes comme ça, je pense qu'on va réussir. Oh, merde, y'a plein de monde qui arrive. Vous inquiétez pas, même si la tourelle est détruite, moi je vais tous les détruire. Ah bon, ça va, ça a l'air d'aller. On va tenir le coup. On doit tenir le coup de toute façon. On est obligé de tenir le coup. Il nous reste 1 minute 30. Moi je suis Rambo donc. Voilà. Oula, il y a du people qui arrive là, il y a du people qui arrive. Non, c'est par quel côté, c'est ça la question.
par là. Ils arrivent par où? Ils vont venir par en bas? Oh, on dirait bien qu'ils vont venir par en bas. Oh bah tant mieux, je vais pouvoir tous les aligner. Ah putain! Ah, je m'attendais pas à cette merde! Eh merde! J'espère bien qu'il y a des renforts là. Oh, oh merde! On attaque l'infanterie ennemie. On a plus le temps. Il faut détruire leur bombe IEM. Voilà, on va te péter la bombe IEM. Ah merde! Allez! Faut tenir le coup! Mais non, il est pas menacé, ordinateur central, regarde! 13 secondes là, 13 putains de secondes à tenir! Voilà, 2 secondes, on a réussi. Ah, ça y est, on a terminé. Ouf. Ah là là, bordel de merde. Mais ces missions sérieuses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Ah, c'est bon? Il est où le dernier là? Il est en train de courir. Tiens, gerbe! L'ennemi va en retraite! La base est sécurisée! Objectif de mission atteint! Eh ben, sa maman, hein, c'était dur! Oh là là! Fou, j'aime vraiment pas cette mission! Allez! C'était du bon boulot, Mason. Bon, allez. On va enchaîner. Est-ce que j'ai des mitraillettes? On va prendre une MP5 pour changer. On va la mettre en bleu. Parce que moi, j'aime bien le bleu. Voilà. Oh, barrette. Oh là là, ça va sniper, je crois. Allez, go. Mais qu'est-ce que tu foutais? Oh. Le chef est de retour. Va fumer ce connard de Menendez. Il en veut à ton père pour la mort de sa sœur. Même chose pour Woods. Et maintenant, c'est ton tour. Je crois que la fin approche pour Menendez. J'arrête pas de voir ces flashbacks. La nuit où mon père est mort quand j'étais gosse. Je sais pas d'où ça vient. Ah putain, j'ai pas dû te cogner assez fort. Écoute, Woods nous a donné toutes les pièces. On n'a plus qu'à les assembler. Menendez était au Nicaragua. D'après Kravchenko. Cette bonne vieille face d'ananas, Manuel Noriega nous l'offrait carrément sur un bon gros plateau d'argent. L'un des avantages quand on est président du Panama, c'est qu'on peut servir de l'armée comme police personnelle. Alors, la CIA, toujours perspicace, accepte le marché, la Maison Blanche fait un chèque $1 million à Noriega et tout le monde se félicite pour cette victoire. Et nous voilà partis pour la jungle. Ce qui s'est passé au Nicaragua, c'était un accident. On s'en prend jamais aux civils. Les infos sont justes. C'est Raoul Menendez. Je vous avais dit qu'il serait là. Vos hommes sont prêts à agir? Ils n'attendent que mon signal. Allez-y. En avant!
Pas le droit à l'erreur, les gars. On doit fumer cet enfoiré. C'est pas ce qui est prévu, Woods. Il nous le faut vivant. Más que la riño, risueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme entre tanto, eleva el canto. J'avais demandé a ne pas être dérangé. ¿Qué carajo? J'ai un masseur et vous êtes mort. Joséphine! C'était son monstre. Animal! Joséphine! Dites-le! Dites-le que le remate! Donne-le un sedante! Tenga-lo quieto! Rapido! Joséphine! Réveille-toi! J'ai dit réveille-toi! Personne ne vous a vu l'emmener. Non! On a dû se mettre à quatre pour le calmer! Aucun témoin. Je vous ai sauvé. Vous seriez aux mains des Américains sans moi. J'aime rendre service. Il va falloir tuer des gens. Ah, machete ! Pure violence ! Oh, tiens ! Et on a un space 12 ! Oula, oula, casse-toi ! Hein ? C'est pas des quoi ? Putain, il recharge vite, hein. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on sait pas réellement quand est-ce qu'on prend des dégâts ou pas avec ce personnage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'y as cru, hein? T'y as cru, en gros? Oh! Oh merde! Je douille! Putain, mais il recharge vite, hein! C'est hallucinant comme il recharge. C'est un fou cet homme. Et bim! Vous ne m'échapperez pas! Ah, coup de machette! Cet homme est un fou! Hop, on charge. Par contre, par moment, je sais pas pourquoi, mais... Allez, tiens! Tiens! Hop, il recharge un coup, comme ça. Ah, regardez ça, il est en mode furie, hein, là, hop! Oh. Je tue un civil! Quel côté par là? Oh, les chevaux! Ah merde! Voilà, un de moins. Deux de moins. Trois de moins. Et quatre de moins. Et le petit cinquième là. Voilà.
Qu'est-ce que t'as cru, toi, hein? C'est un vrai taré, cet homme. Ça a l'air d'être des alliés. Ouais, ça a l'air des alliés, donc... Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un Space 12, moi, je rigole pas, hein. Par contre, je suis un peu déçu, il n'y a pas de démembrement. J'ai peut-être pas mis gore maximum dans le jeu. Ouais, à mon avis, j'ai pas dû mettre le gore maximum. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Hop. Ah, il a pas l'air d'être mort, lui, non. Tiens. Ah, si, il y a du démembrement. Allez, enfoncez la porte, les mecs. On se croit dans Far Cry un peu. Far Cry Predator, si les gens s'en souviennent. Putain, il peut tirer à l'infini ce con. J'arrive, j'en refais Fina. La sœur de Menendez a été tuée par l'explosion. Qui a lancé la grenade? Je savais pas qu'elle était là, David. Quand j'ai vu Menendez, j'ai pété les plombs. Frank, ça te ressemble pas! Putain, qu'est-ce que Menendez t'a fait en Angola? Menendez, il voulait savoir ce que la CIA avait sur lui. Il a torturé mes hommes sous mes yeux. Pour me faire craquer. Un par un, j'ai vu mes hommes mourir, et puis... Il m'a enfermé avec eux dans ce conteneur. Je suis resté là des semaines. C'est pour ça, quand j'ai revu Menendez, j'ai pété les plombs. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Bah moi, je lui aurais proposé un steak frites. Et la fille? Pas d'importance, ce n'est pas une cible. Ça doit être une pute. Les hommes de Noriega sont là. En route. Ok, bah c'est pas trop tôt. Ouais, en route avec ma MP5. J'aurais peut-être pas dû prendre la MP5 sur ce coup-là. Peut-être que je vais peut-être sniper un peu, hein. On va jouer aux barrettes. Faut juste que je sache où sont les ennemis parce que là on voit pas grand-chose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a au bâtiment de droite? Voilà. Ah, il est pas mort, je crois. Bah, bah si, il est mort. Allez! On sort les doigts du cul et on avance un peu. D'accord, il y a quelqu'un en haut. Eh, c'est quoi ce courant qui me fait dériver là? Sérieux là? Bon, tant pis, on charge. Oh putain, il y a de ces reculs! Allez, on va passer par là. Enfin, non, on va pas passer par là. Bon, bah, je crois qu'on va devoir sniper un peu cette partie. Voilà. Voilà, on les enchaîne. Facile. Oh, j'ai tué un civil. Tant pis. C'est pas grave, les civils. Après tout, dans toute guerre, il y a des casualités. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est un ennemi? Non, c'est un gentil. Ah! Bon, oula! Oh, des poules! Des poules! Meurs, poule! Voilà. Alors. Par là, on sort la MP5. Toi, je t'avais vu venir.
Ah, ouvrons ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Normalement, c'est des cocktails de mode tof. On va pouvoir jouer à griller les gens. Alors, les mecs. Viva la playa! Et bim! Bon, bah, déjà. Ouf, si j'arrive pas à viser, ça va pas le faire. Belle maîtrise. Alors. Bon, en fait, c'est mieux utiliser sniper, je pense. Par contre, c'est qui l'enfoiré qui me canarde là? Je disais bien qu'il y avait un enfoiré qui me canardait. Alors, tiens, molotov. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tiens, cadeau. Merde, loupé. Oh, des poules. Hein? Oh, oh, la poule, tu vas mourir. Voilà, on sait jamais qu'il y a un trophée lié aux poules, hein. Petit hommage à BO1, on sait jamais. On va passer par là. Brûle! Ah, grenade! Vas-y, Akilar. Je sais pas qui que t'es, mais c'est pas grave. Oh merde, il y a un pompier. Le mec qui m'en veut à côté. Vous savez quoi, on va prendre la K-47. Parce que la K-47 c'est une valeur sûre. Et ce depuis des années. Hop hop hop. Voilà. Oh mais il y en avait encore un en plus hein. Un petit fifou. Là ça pète de partout là. T'es un ami? Ouais t'es un ami. T'appelles Clément? Casse LGS peut-être. Bon. Ah oh, putain, j'aurais pu faire une triplette là au fond. Alors. Ah bah toi t'es mort dans une position ultra réaliste. T'as même eu la crosse dans la bouche quoi. Alors, quel côté? 1, 2, 2, 3, soleil. Allez. Voilà, quelle maîtrise! Qu'est-ce qu'il y a au fond? Je sais pas, mais en tout cas, il va bouffer mon molotov. Ah, je prends cher, aïe! Aïe! Gatling gun, droit devant! Je vais mourir. Ah non, j'ai survécu. Bon. Des amis, ça? Ouais, c'est des amis. Mais, oh! Voilà. Allez, ça y est. On peut pas rentrer encore. Ouais, c'est bon, là, ras-le-bol. Hop. Bâtiment. Coup de pompe, ça fait toujours mal. Allez, on va prendre le pompe avec chargeur grande capacité. Parce que nous, on est des fifous. Et on va... 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est bon. Youhou! Les mecs? Vous venez les mecs? Allez, on y va. Ouvrez-moi cette porte. Non, c'est pas vrai. Quoi? En forêt de Noriega. Ces hommes étaient censés capturer Menendez. Menendez! Wout! Bon! Tu vas te calmer tout de suite, ok? T'as aucune idée de ce que ce fils de pute m'a fait en Angola? Aucune! C'est pas la question. On est en mission. Il va vers la maison, on l'aura. Mais on fait ça en équipe. Allez. Ouh là là, faut pas faire chier Woods, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Voyons voir. Ouh. Encore des mortiers. Y a pas des armes ou autre? Non, que dalle. D'accord.
va prendre les mortiers alors. Ouh, merde. Il est où le mec qui canarde avec son bazooka là-bas? Oula! Ah ouais! Putain! Ah, bobo! Ne faites pas péter la voiture, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! Oh! Quand même! Bon, allez, tant pis. Allez, on y va, coup de mortier. Oula! Wouhou! Ah, j'ai failli être marqueur. Merde! Hein? Bah. Il n'y avait pas d'indicateur! Ce jeu me déteste. Putain, mais ils veulent pas mourir, hein? Yep, voilà. Ça, c'est beau. C'est loin, mais c'est beau, hein? Oh merde! Hey gringo! Mais tu meurs? Voilà! C'est bien! Allez, viens! Mais arrêtez de me pousser! Bon, tant pis, hop, j'avance un peu. On se met dans un coin, on avance un peu. Non, c'est où ça? Crève. Sierra, c'est un drôle de nom ça. J'ai cru quoi? J'avais un space 12, tu veux faire quoi face à ça? C'est bon, vous avez tué tout le monde? Ok, c'est bon, ils ont tué tout le monde. Y'a quoi ici? Y'a rien. Ouais, ok, je leur ressemblais pas. Ouais. Ouais. C'est qui me pousse? Woods Mason, y'a un labo de coke au sous-sol. Fouillez-le. Récupérez tout ce que vous pouvez sur le cartel de Menendez. Il faudrait le capturer et le torturer jusqu'à ce que ce soit bien. Vous avez vos ordres, sergent. Mais moi, je prends pas des ordres. Moi, je fais ce que je veux parce que je suis un fifou. Ah bah, c'est quoi ce temps, oui. Pourquoi est-ce que j'ai plein de munitions maintenant? Allez, les mecs, vas-y, ouvre. On va faire tabac en bas. Non, et moi, c'est... Non, moi d'abord! Bande de vilains. Mason. Garde un œil sur Woods. Avec Menendez dans le coin. Je suis pas tranquille. T'en fais pas, Hudson, je m'occupe de lui. On va s'occuper de lui, ouais. Je voudrais pas que le gros lot nous file entre les doigts. Hop, en attendant, on crochète ici. Nos vamos. Taxi 14 burritos. Oula. D'accord. Belle machete. Bon, on va via le sniper, on va prendre ce gros modèle. Voilà, moi je tue tout le monde. Je l'avais dit, je fais ça dans les règles de l'arme. Moi, je crois que j'ai eu tout le monde. Ah non, j'ai pas eu tout le monde. Étrange. Je pensais avoir eu tout le monde. Tant pis, hein. On va avancer. Yeah. Rambo, c'est un petit joueur comparé à moi. On va reprendre le pompe. Ah d'accord. Merde. D'accord, ben j'avais pas le pompe. Oula. Calmos.
Pourquoi j'ai une AKU maintenant? Je me suis gouré de touche, c'est ça, rechargement. Je vais reprendre ça, moi, j'aime bien l'Uzi. C'est joli, l'Uzi. Bonjour. Ah, bah si vous voulez vous aligner devant moi, y'a pas de problème, hein. Je suis toujours prêt pour un gangbang à la queue leu-leu, hein. C'est toujours la base, hein, vous savez. Hop. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon, là. Y'a tout qui brûle. Ah, bonjour. Voilà, au revoir. C'est ici, ça les porte. Je suis gouré de chemin. Ah non, il vient vers moi. Allez, viens, 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 viens. Allez, ouvre la porte, ouvre la porte. Putain de gamin. Non, non, ouais. Allez, vas-y. On va tenter de le coincer. Tu. Négatif, Wood. On a la situation bien en main. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pas dit. Le fal, il est automatique maintenant. Tiens. Tiens. Voilà. On va tout nettoyer, c'est bon. C'est tout ce que j'ai compris. Bon, Wood. Oh, bonjour. Allez hop. Je suis là. C'est Hudson. Où est Menendez? Il est là, dans le sac mortuaire. Officiellement, il ne s'est rien passé. On a laissé la FDP partir avec. Et maintenant, le revoilà. Et il est en pétard en plus. Bah, il risque pas de tuer mon père. Quelqu'un s'en est déjà chargé, il y a un bail. Mais toi, il aurait pu te tuer. Alors pourquoi t'es toujours là, Franck? Et ça commence. J'ai plus rien à dire. Va tuer ce cinglé. Eh ben, hein, parce que ça attendra à la prochaine vidéo. Hein. Donc là, vous voyez, si je fais ça, maintenant, on peut refaire des missions Strike Force, donc des trucs de force d'assaut, mais malheureusement, je ne les ferai pas, parce que, comme vous l'avez peu remarqué... Ah, pardon, excusez-moi. Comme vous l'avez remarqué, c'est vraiment chiant. Et à moi de prendre le contrôle du personnage et de tuer tout le monde, je vois pas trop l'intérêt. Bon, sur ce, je vais vous laisser, mes petits loups. N'oubliez pas d'avoir la... attitude, comme d'habitude, avec Jatru des poules au cul. Et on se retrouve très prochainement pour la partie 3 de Black Ops 2. Allez, ciao! Pour ça, vous pensez au rock'n'roll, poutou partout, et à la prochaine, salut!